Bonsoir Louise. Je vais vous demander comme si vous n'êtes pas content. Bonsoir Louise. Bonsoir. Vous ne voulez pas nous voir? Amen. Le Père a obtenu, le Père de Dieu, c'est le respect du corps et du sang de Jésus. Et mon soutien, c'est l'aspect physique. La sainte scène, le sang et le cœur, c'est-à-dire le vent et le vent. C'est le soutien que je vais développer, la sainte physique. Amen. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit envoie un tel, ce s'appelle un hasard, ce n'est pas la première fois que nous avons reçu ce fait ici. Ce n'est pas la première fois, parce que le Père a déjà enseigné sur ce sujet plusieurs fois, et on a eu à faire tout un séminaire sur ce sujet. Quand cela revient, moi je me suis posé des questions. Et au fur et à mesure que les enseignements vont passer, les séminaires vont passer, pour comprendre pourquoi. Quelque chose aussi sur le point de se passer au Cameroun. Et vous allez remarquer dans la vie des Juifs, quand j'essayais de faire la lecture, chaque fois qu'il y avait quelque chose de déterminant qui devait se passer, il y avait la part. Alléluia. Lorsque le Seigneur insiste sur la sainte sainte, c'est que quelque chose est en train de se préparer dans cette nation. Est-ce que tu sais pas comment le faire? Est-ce que tu sais pas comment le faire? On ne veut pas ici, je l'ai dit, ce n'est pas Jamel, Claude, on dit Claude ici, non. Nous venons ici parce que nous avons un but, c'est d'adorer le Seigneur de Dieu pour le salut de nos âmes. Tu viens pour des petits copinages où je ne sais quoi, mais tu perds le temps. Alléluia. Tu es en train de perdre le temps. Parce que l'Église a besoin de toi et de moi pour que le Cameroun. Ce qui doit se passer, se passe. Parce que ça doit se passer par nous, l'Église. Alléluia. Le Père va arriver ici pour que les gens se réveillent et pour que la mère se réveille. La mère, c'est qui? C'est l'Église. C'est toi et c'est moi. La maison, c'est qui? C'est le Cameroun. Toi qui es encore dans le petit réveilleur, toi qui es ici à ne pas, la grâce du Seigneur, comme tu avais servi de Dieu, je te parle. Je suis prophète, je te parle. Alléluia. Je n'ai jamais parlé comme ça, mais je te parle aujourd'hui. Toi qui es ici à ne pas, le serviteur de Dieu, la place du Seigneur, que Dieu a déposé sur ton serviteur, je te prie d'aimer et vivre ici. Parce que tu vas trouver sur toi la force du Seigneur. Lorsque Dieu appelle les gens, et que un homme comme le Père, comme l'apôtre, il le abandonne les choses du monde. Il ne refuse les choses du monde pour servir Dieu. Faites attention. Et quand vous voyez les gens que Dieu a envoyés à lui, qui le servent sur ses pieds et qui ont tout abandonné, faites attention. Parce que vous êtes discerné. Et c'est ça le problème de l'Église. Discerner, c'est reconnaître. Discerner, c'est avoir conscience. Discerner, c'est de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Très attention, ça qui s'en est. On ne sait pas qui s'en est. Donc aujourd'hui, comme le Père a dit, on sera Dieu, pas parce qu'on veut chasser, mais parce qu'on veut enlever les frères. Parce que quelque chose va se passer, comme je l'ai dit. Alléluia. Amen. Revenons dans ce domaine. L'aspect physique de la sainte sœur. Je vais, vous savez, on ne peut pas parler de la sainte sœur sans d'abord retracer l'historique, parce qu'il faut aller vers l'origine. Le Seigneur Jésus-Christ disait toujours au commencement, il n'était pas ici. Nous devons aller au commencement. Et nous allons aller dans l'Ancien Testament. Parce que c'est là où il y a l'origine. La sainte sœur qui est là-bas. Alléluia. Pour comprendre les choses visibles, nous devons observer les invisibles. Parce que le visible vient de l'invisible.
Je veux vous parler aujourd'hui maintenant du pain et du vin, qui est l'aspect physique de la Sainte Seine. L'aspect physique du corps de Jésus et de son sang. Alléluia. Et donc, je voudrais commencer par la Genèse et nous allons lire dans le livre de l'homme au chapitre 9, le verset 1 à 2 et le verset 14. Nombre 9, 1, 2, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Verset 14. Si l'étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Amen. Bienvenue. Lorsque le Seigneur instaure la Pâque, le peuple d'Israël est en captivité. Le Père l'a dit en quelques mots. Le Seigneur, au travers de Moïse et d'Aaron, a fait toutes sortes de miracles. Il a fait toutes sortes de miracles. Il prodige. Et juste là, Pharaon n'a pas libéré le peuple. Et parce que Dieu lui-même vient empêcher le cœur de Pharaon, parce qu'il voulait que sa gloire éclate. Alléluia. Alors, il est demandé à Moïse de faire la Pâque. Prendre, quand je ne veux pas lire, je vais essayer de vous raconter le sujet. Le plan de mission est ça, que quand vous venez suivre les enseignements, c'est pour lui. Alors, le Seigneur a demandé à Moïse que chaque famille prennent un anneau qui vont brûler et que le sang qui sera versé, ils vont brûler le sang et voir, ils vont mettre le sang sur les anneaux. Alléluia. Et la chair, ils devaient la manger. Ils devaient tout manger sans casser les os. Amen. C'est toujours ce que c'est aujourd'hui, les gens devaient casser les os, parce qu'on est tout mort. Alléluia. Et ils devaient manger ce qui n'est pas le temps de vous. La ceinture attachée, le bâton en main, avec les serres en main. Alléluia, c'est ce qui s'est fait. Et dès qu'ils ont fait cela, Pharaon a libéré parce qu'il y a eu des atomes, il y a eu des corps. Tous les prédéliers ont décidé, et c'est pour ça que Pharaon libère Israël. Alléluia. Pharaon libère Israël. Et maintenant, quand Pharaon libère Israël, il demande à Moïse, par qui le roi veut, il doit continuer à faire ça pour commémorer ce jour. C'est ça la Pâque juive. Alléluia. Donc la Pâque juive a libéré Israël. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, chaque fois dans la vie d'Israël, quand il y avait quelque chose de tourment déterminant, il y avait la Pâque déterminante. Je ne serai pas très loin dans la Genèse. C'est pour cela que je vais très rapidement. Nous allons lire dans 2 Rois 23, le verset 21. 2 Rois 23, verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Amen. Tout aussi rapidement, Esdras 6, verset 19. Le 14e jour du premier mois. Amen. Ici, au niveau du livre de roi, 2 rois 21, 2 rois 23, 21, le roi Josias avait fait dessiner les prophètes de Baal. Alléluia.
Il a détruit leurs hôtels, il a détruit leurs villes, en fait, il a détruit tous les femmes. Et il a découvert dans le livre, dans le temple, qu'il y avait un livre que Dieu avait inspiré. C'était le livre de la loi de Moïse. Et dans laquelle on avait récité la parole. Après avoir fait tout cela, il a demandé qu'on fasse la parole. Un tournant décisif dans la vie d'Israël, qui est revenu à Dieu. Encore une fois, une délivrance. Alléluia. Et dans le livre des traces ici, c'est le temple qui est en train d'être rebâti. Le temple avait été détruit, et maintenant, Esdras se lève et il continue de rebâtir le temple par la grâce du Seigneur. Et il se lève encore là-bas. Une fois de plus, un tournant décisif et une délivrance. Parce que la vie d'Israël, la vie religieuse d'Israël tournait autour du temple. Si on détruisait le temple, leur vie, leur relation avec le Seigneur était mal. Alléluia. C'est donc comme ça qu'ils ont rebâti. C'était une façon de revenir à leur Dieu. Ils ont rebâti le temple. Ils ont encore fait quoi là-bas? Ils sont souvenus du jour où Dieu les avait délivrés. Amen. Donc, ici, chaque fois qu'il y avait là-bas, il y avait quelque chose de décisif qui se passait dans la vie d'Israël. Il y avait comme une réussite. Alléluia. Nous allons maintenant revenir au Nouveau Testament où Jésus, quand il vient, parce qu'il est l'accomplissement de la loi. Nous devons comprendre ça. Jésus est l'accomplissement de la loi. C'est lui qui a compris la loi. Or, la Pâque avait été instituée par la loi. Quand il vient maintenant, il vient instituer la nouvelle Pâque qui est la Sainte Sainte. Alléluia. Je voudrais que nous lisions dans le livre de Jean 13, verset 23. Jean 13, 23, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, qui est Simon l'Iscariote. Non, je me suis trompé, non, je vous en prie, c'est plutôt au niveau de l'une vers la fille qui s'abuse. Je vous en prie. Luc, c'est Luc. Quel est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur répondit, voici. Quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Amen. C'est là que vous préparez la Pâque. Donc, Jésus, qui est l'accomplissement de la loi, il entre à Jérusalem et il annonce à ses disciples qu'il va mourir. Il dit qu'avant cela, il faudrait qu'il y ait la Pâque. Et c'est d'abord été coïncidé, je veux dire, avec la Pâque. Mais avant ça, il fait d'abord la Pâque avec ses disciples. Et il fait quelque chose que les Juifs ne faisaient pas. Il améliore, je veux dire, il change la forme de la Pâque. Parce qu'on mangeait la Pâque étant debout, avec une ceinture attachée, un sac, un bâton prêt à partir. Mais lui ici, quand il mange la Pâque, il mange la Pâque étant couché. Donc, et qu'est-ce qui nous fait voir ça? Parce que c'est le passage que j'ai lu dans Jean 13,
que c'est là où je me suis d'abord trompé, dans Jean 13, qui dit que Pierre a demandé à Jean, dis-moi nous-mêmes, qui va nous trahir. Il dit qu'il s'est penché sur la patrie. Donc, c'est là que je crois que Jésus et les apôtres étaient touchés. Et lui s'est penché sur sa patrie. Alléluia. Donc, lui, il vient changer la forme de la part. Amen. Parce qu'il est, il est l'accomplissement de la loi. Et maintenant, il est sort. Il ne nouvelle pas. Amen. Et lorsqu'il est sort, il ne nouvelle pas. Il ne fait plus la part contre à l'Ancien Testament. On devait manger la chair d'un anneau parce que lui était déjà là. Amen. L'agneau il voulait, lui était déjà là. Amen. Donc, ce n'est plus l'agneau qu'on devait manger, mais maintenant, il institue de nouveaux éléments qui sont le pain qui symbolise son corps et le vin qui symbolise son sang. Alléluia. Amen. Et maintenant, lorsque il présente ces choses, ces éléments-là. Il dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous ferez ceci, vous annoncez moi, vous annoncez ma mort. Or, dans l'Ancien Testament, il fallait d'abord que l'agneau meure pour qu'on s'élève là-bas. Mais ici, Jésus, lui, il vient instituer la Sainte-Seine, et lui-même est encore vivant. Lui qui est la cause doit être élevé. Vous voyez ça? Donc, il vient ajouter de nouveaux éléments. Il vient changer la forme de la part. Parce que lui, il est l'accomplissement de la loi. Et la Sainte Seine est l'accomplissement de la part. Alléluia. Je voudrais que nous lisions pour cela. C'est d'abord que Jésus ajoute, parce que je voudrais que ce soit unique, pour vous ayez des passages. Les éléments que Jésus ajoute, qui sont le pain et le vin. Je voudrais que nous lisions dans Genèse 14, le verset 18. Genèse 14, 18. Il est écrit, je lis, au nom de Jésus-Christ. Melchisédek, roi de Salem, qui apportait du vin, du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Nous allons lire aussi dans Matthieu, chapitre 26, verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit que pour qu'il y ait la Sainte-Seine, il faut deux éléments, le pain et le vin. Le pain qui symbolise ici le corps. Et pour que ce corps soit consommé, il faut qu'on le brise devant vous. On ne doit pas l'amener étant déjà brisé. C'est pour ça que vous voyez ici chaque fois qu'il y a cette scène comme aujourd'hui. Donc, quand le prend, on le brise, et le bébé, qu'est-ce que le père fait? Il est en grâce, il bénit le Seigneur, il ne récite pas la formule qui est dans la Bible. Les paroles que Jésus-Christ lui-même a prononcées lorsqu'il est en train d'instituer la Sainte Seine. Et nous devons montrer ce que nous devons faire. On dit qu'il a présenté le vin et la rendu grâce. Nous aussi, on doit présenter, on rend grâce et on rend. On doit briser le vin devant vous. Et maintenant, on vous le donne en disant, prenez la chair de Jésus, prenez le corps de Christ. Alléluia. Et après ça, il a pris la coupe de la vie. La vie, la coupe de vin est le fruit de la vie. Il a présenté et il a dit ceci est mon sang. Alléluia. Il a pris, il a donné. Donc, on n'a pas dit que ici, il faut prendre le pain seulement ou le vin seulement. C'est le pain et le vin.
Alléluia. Le pain et le vin. Ce sont les deux éléments à la fois. Ce n'est pas le pain, le vin. Hein? Le vin, non. C'est le pain et le vin. Alléluia. Et le Seigneur, lorsque il présente le pain et le vin, il dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez prendre cela, vous allez proclamer que la mort de Jésus nous a libéré telle chose, la mort de Jésus nous a libéré telle chose, la mort de Jésus nous a libéré telle chose. Alléluia. Et parce que c'est la vraie nourriture, comme il a dit dans Jean chapitre 6, mon corps est une véritable nourriture et mon sang un véritable breuvage, nous devons le prendre comme on prend les repas. C'est-à-dire, si tu manges matin, midi, soir, pour fortifier ta chair, tu peux aussi prendre la sienne matin, midi, soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu manges deux fois par jour, prends aussi la sienne deux fois par jour. Si ici, chaque fois que vous venez, on ne le fait pas, chaque fois, c'est parce que c'est à cause de moyens communs. Alléluia. Mais en réalité, chaque fois, quand vous allez lire les appels apôtres, chaque fois que les apôtres se réunissaient, ou l'église est réunie, il y avait toujours la fraction du pain. Il y avait la sainte sainte. Amen. Bon. Le pain, qu'est-ce qui consistait le pain? Dans, au temps de Juifs, les éléments qui consistaient le pain était fait par le blé. Aujourd'hui, on appelle ça le blé, mais avant, on appelait ça, c'était l'or. Vous allez dire, quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir l'or. Il y a l'or, il y a le froment, ou alors, on appelle ça les pétroles. Les pétroles ici, c'est aussi une forme de froment. Et le froment, c'est quoi? Le froment, c'est une. C'est comme un blé sélectionné, un blé de qualité. C'est ça le froment. C'est ça qu'on appelle le froment. Alléluia. Sinon, ça, qu'on faisait pétrir. Et on fait le blé en marée. Or, de nos jours, nous avons le blé. Nous avons le blé. Et c'est pour ça que vous voyez, on a le pain. Donc, on peut faire la sainte avec le pain parce que c'est le blé. Et Jésus, à cette époque-là, a utilisé les éléments qu'il avait. Parce qu'à cette époque, c'est le pain qui était dans la culture juive. Parce qu'il cultivait le blé, alors il faisait le pain qui devait consister la sainte avec la farine de blé. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la farine de patates. Alléluia. Donc si dans vos maisons, ou dans une église, vous avez dans une assemblée, vous voyez qu'on a fait la sainte avec la farine de patates, avec le pain qui a été fait avec la farine de patates, il parle que c'est une réussite. Non. Jésus a utilisé les éléments de l'heure. S'il revenait aujourd'hui pour le prendre d'avance ici, et qu'il était, par exemple, dans les gens qui mangent le manioc, il devait faire la sainte avec le manioc. Alléluia. Encore que c'était les restes de la nourriture de la Pâque. Parce que pendant la Pâque, quand il faisait la Pâque, il avait le pain. Et le pain était sans le vin. Pourquoi? Parce que le pain sans le vin, c'est le pain où on n'a pas mis la levure. Alléluia. Et il le faisait pourquoi? Parce que quand on faisait la Pâque, c'était des gens qui étaient toujours blessés. Quand on va lire, on va aller lire dans l'Ancien Testament, on dit qu'ils avaient fait la Pâque et ils ont mis la Pâque dans les salles avant que la Pâque ne soit levée. C'est-à-dire avant que la Pâque ne gonfle. Amen. Ils ont mis dans les sacs, ils sont partis. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire la sainte sainte avec la farine levée ou non levée? C'est là qui porte aujourd'hui. Alléluia. Ce qui importe, c'est que il faut que ce soit le pain. Si vous avez la farine de blé, vous allez faire le pain. Si vous avez la farine de patate, vous allez faire le gâteau avec la farine de patate. Ce qui fera en sorte que cela soit transformé, c'est la prière et lorsque vous allez manger. Alléluia. On le fait avec l'église tout à l'heure. Et maintenant le vin. Le vin, c'est le fruit de la vie. C'est le fruit de la vie. Et le fruit de la vie, ici, était, on appelle ça, on écrasait. Je ne connais pas le langage.
faisait extraire le jus. Lorsque on laissait le jus pendant un temps, il y avait fermentation et ça devenait le vin. Mais lorsque, après avoir extrait le vin, le fruit, je veux dire le jus, et qu'on pouvait directement, c'était le jus, c'était sans alcool. Alléluia. Et lorsque maintenant, après avoir extrait le jus du fruit de la vie, et qu'on chauffait, c'est ça qu'on appelait le goût. Amen. Quand vous avez parce que vous n'avez pas resté avec la vous en plus, quand vous avez l'Ancien Testament, parce que vous avez trouvé ça dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament. Pour illustrer cela, je voudrais qu'on lise dans Acte 2, verset 13. Verset 13, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Ils sont pleins de vin doux. Donc le vin doux là, c'était le fruit de la vie, qu'on a extrait le jus et on a fait monter, ça devient le vin doux. Alléluia. Et lorsque maintenant on prenait directement le jus et on l'utilisait, c'était le jus sans alcool. Donc il faudrait qu'il y ait un débat entre est-ce qu'on doit faire la Sainte Seine avec le fruit de la vie alcoolisé ou non alcoolisé. Le Père a donné une réponse tout à l'heure. Il y a des gens qui ne prennent pas l'alcool, des gens qui Dieu a interdit l'alcool. Alléluia. Or, tout le monde peut prendre le jus sans problème. Mais si on interdit l'alcool, et que toi, tu prends l'alcool, tu prends l'enfant, je vais prendre l'enfant de la parole de Dieu. Et ça peut te créer des préjudices. C'est pour cela que on fait donc la Sainte Seine avec le vin sans alcool, c'est-à-dire le fruit de la vie. Et le sang, tu es les taux. Ils étaient libérés, mais ils étaient encore en Égypte. Une fois qu'ils ont traversé la mer rouge qui est ici là, le symbole de la terre, alléluia, ils étaient là de l'autre côté, vers la terre promise. Amen. Et toi aussi, lorsque le sang de Jésus a déjà coulé, lorsque tu le prends, lorsque tu proclames sa mort, tu proclames les paroles, tu es libéré. Mais si tu ne te baptises pas, tu es toujours de l'autre côté. Alors pour quitter de ce côté-là, pour aller vers la terre des promesses, par la terre promise, il faut passer par le côté. Avis à ceux qui ne se sont pas encore baptisés. Le Seigneur s'occupe de nous. Même de notre évolution. En instituant la Sainte Seine, il nous a mis au sommet de la chaîne alimentaire. Parce qu'il n'y a pas meilleur repas que le corps et le sang de Jésus. Il n'y a pas meilleur repas. Alléluia. Il n'y a pas meilleur repas. Lorsque tu prends ce repas, la Bible dit que tu rajeunis comme un aigle, comme le dit le psaume 103, vous allez à la maison, verset 1 à 5. Que Dieu vous renouvelle comme un aigle. Pourquoi? Parce que tu prends la nourriture qui n'est pas de la joie de toi, parce que tu es une nouvelle créature. Et c'est normal. Lorsque tu es une nouvelle créature, on ne peut plus nous alimenter comme auparavant. Alléluia. On est une nouvelle créature. Et la nouvelle créature que nous sommes mange quoi la chair et boit quoi le sang. Qui sert de le quoi le pain et le vin. Donc, nous devons savoir qu'étant une nouvelle créature, la qualité de notre nourriture a changé. Et cette qualité de nourriture, n'est-ce pas, correspond aussi à la qualité de santé, de vigueur et de force que nous avons en nous. Sur ce, je cède cette parole à la petite femme de Dieu.